De nombreuses personnes découvrant la foi entreprennent de lire la Bible. Alors c'est une excellente idée, bien sûr. Elles vont donc dans une librairie et avec un peu de chance, elles se saisissent d'une traduction de la Bible honorable. Elles rentrent chez elles et ouvrent la Bible à la première page. Bon, bonne surprise, Genèse 1 est magnifique et poétique. Mais peu à peu, le texte devient de plus en plus difficile. Alors un serpent qui parle, bon, on comprend que c'est une image. Le meurtre d'Abel par son frère jaloux, c'est horrible, mais c'est vrai que le monde est ainsi. Avec l'histoire du déluge, les choses empirent encore, avec une image hyper violente d'un dieu qui massacre pratiquement la totalité de l'humanité pécheresse et de la création avec, pour sauver un ou huit justes, encore une énigme. Et notre lecteur, découvrant la Bible, arrive ainsi, au bout d'une dizaine de pages, à l'histoire d'Abraham. Bon là, ça va mieux, c'est une belle histoire qui commence bien avec un Dieu qui aime et qui bénit sans condition. Mais aussitôt, le héros de l'histoire, Abraham le juste, l'ami de Dieu, le père des croyants, se comporte d'une façon absolument inadmissible, à faire dresser les cheveux sur la tête. Pour sauver sa peau, il semble bien que Abraham mente, pousse Sarah à mentir, et il la prostitue finalement sans penser une seconde à Dieu. Et quel est le résultat? Le pauvre Pharaon, trompé par Abraham, est puni. Abraham est récompensé par contre et repart riche à millions. Alors combien de chercheurs de Dieu, tout pleins de bonne volonté, ont alors refermé leur Bible toute neuve à la page 10? Quelle pitié! Quelle pitié alors que toutes ces histoires sont passionnantes et enrichissantes au possible. Et heureusement que notre lecteur est choqué, car Dieu est celui que nous révèle Jésus-Christ, un Dieu qui aime infiniment chacun de ses enfants, un Dieu qui répand sa bénédiction sur toutes les familles de la terre. Il est donc préférable de commencer sa lecture par les évangiles, ou alors il est bon d'avoir une patience d'ange et de sauter par-dessus les textes que l'on ne comprend pas encore. Mais nous ne sommes pas ici au culte pour lire et relire encore toujours les textes les plus faciles et qui chantent l'amour et la bonté de Dieu, mais pour, au contraire, assumer, affronter les questions, les défis que pose la Bible et notre existence. Je vous propose donc d'aller dans le vif du sujet en prenant au chapitre 12 de la Genèse cette histoire scabreuse. Alors vous connaissez le chapitre 12 de la Genèse, bien sûr, puisque vous êtes tous arrivés à la page 10. Donc c'est un passage essentiel où Dieu donne à Abraham sa bénédiction. Il dit qu'il de lui descendra une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et ensuite, donc, voilà ce qui arriva. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme, et aussi quand les Égyptiens te verront, ils diront « Ah, ceci est sa femme !» Et alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas donc dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut amenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il fut extrêmement bien traité à cause d'elle. Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et même des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes catastrophes à cause de l'affaire de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré simplement qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Ainsi je l'ai prise pour ma femme et maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui, sa femme et toutes les richesses formidables qui lui appartenaient. Alors le pire c'est que ça arrive une deuxième fois un peu plus loin. Un peu la même histoire, au chapitre 20. Voilà ce qui arrive.
Abraham partit du pays où il était pour le pays de Négeb au sud et il s'établit entre Kadesh et Chour. Puis séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit donc enlever Sarah et alors Dieu vint vers Abimélec dans un rêve nocturne et lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée ». Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit « Mes seigneurs, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste ? Lui-même ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » tandis qu'elle-même disait de lui « C'est mon frère ». J'avais un cœur pur et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve « Mais je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre et que tu as fait cela les mains pures. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car c'est un prophète puissant, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses, et ses gens furent saisis d'une grande crainte. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Quel péché ai-je commis contre toi que tu nous aies ainsi amené, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui sont absolument inadmissibles. » Puis Abimélec dit à Abraham « Quelle intention vraiment avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, c'est vrai que c'est ma sœur, elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah « Fais-moi la grâce, dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. » Abimélec prit alors du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Il lui rendit aussi sa femme, Sarah. Abimélec dit, « Voici mon pays devant toi, habite où il te plaira, tu es le bienvenu. » Et il dit à Sarah, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et ainsi ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu qui guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent alors de nouveau enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, comme il l'avait promis. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte, elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham l'appela Isaac. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 42 comme un cerf alter Abraham, les trois premières strophes de ce psaume qui nous permettent de chercher vraiment cette source de vie qu'est l'Éternel, notre Dieu. Thank you.
Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses trop fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde. À deux reprises donc, Abraham présente sa femme comme sa sœur afin que le pharaon puis le roi Abimélec puissent en faire ce qu'ils veulent sans que lui, Abraham, n'en retire que du bénéfice. Ben, c'est du propre. Ces histoires posent bien des questions morales évidentes mais aussi des questions théologiques. Son chouchou fait n'importe quoi mais Dieu le récompense largement tandis que les rois étrangers qui sont ici bien plus juste et bien plus ouvert à la parole de Dieu qu'Abraham, et littéralement, sont lourdement punis. Il y a aussi des questions de vraisemblance. Comment Abraham est-il entré deux fois dans cette même aventure scabreuse? Comment Sarah peut-elle être une top modèle au charme physique irrésistible après de 100 ans? Il y a des commentateurs qui appellent alors au nom de la foi à sacrifier notre raison en disant « ouais, voilà, il faut accepter ça comme un miracle. » Bon, ça me semble indigne absolument de l'évangile de Jésus-Christ. Alors on peut aussi passer ces récits des aventures scabreuses d'Abraham en disant ben, que ce n'est qu'une anecdote qui a été reprise en deux versions un peu différentes, en deux variantes dans la Genèse. Par exemple, pour annoncer l'exode des Hébreux en Égypte, qui arrivera quelques générations plus tard, ou bien pour dire qu'Abraham est un homme pécheur comme nous, pris dans le tragique de la vie en ce monde. Mais cette lecture n'apporte pas grand-chose, à mon avis, ni au point de vue théologique, ni au point de vue moral, ni au point de vue spirituel. Mais surtout, elle ne rend pas compte de la position extraordinaire qu'ont ces deux récits un peu scabreux dans l'histoire d'Abraham. En effet, ce premier récit se passe juste après la promesse de la bénédiction formidable de fécondité qui est donnée à Abraham et Sarah. Cette fécondité se fera attendre 30 ans et elle sera racontée sur 8 chapitres. Et ce deuxième récit, très semblable au premier, déclenche explicitement la réalisation de la promesse de Dieu avec Sarah qui enfin devient enceinte et donne naissance à leur fils Isaac. Alors c'est bien difficile d'y voir un hasard. Le texte de la Bible n'est pas comme ça. Ces deux histoires parallèles, bien que scabreuses, elles sont comme les deux bouches d'un tuyau finalement qui permet à la bénédiction donnée par Dieu au chapitre 12 de se réaliser dans notre vie dans ce monde, au chapitre 20. Il doit donc y avoir dans cette histoire scabreuse quelque chose d'essentiel. La première version étant une bonne piste non aboutie, que complète la deuxième version de cette histoire, qui est un état où la bénédiction enfin
peut prendre vie dans notre existence et dans le monde. Une histoire donc essentielle pour comprendre comment la promesse de Dieu peut s'incarner dans notre vie. Alors, pas de chance, pourrait-on penser, ce texte est une véritable énigme, un défi à l'interprétation. Au contraire, c'est une chance. Comme le dit Jésus, il est bon que grâce à la Bible, la vie elle-même nous paraisse comme une énigme, comme une parabole, nous invitant à creuser sans arrêt la question de notre vie, afin de reconnaître les idoles qui y sont présentes et d'arriver à les briser, les idoles de nos évidences, et de nous laisser ainsi ressusciter, oui, par une vie qui ne peut venir que de Dieu, quelque chose de miraculeux. Donc, chic, voici une énigme et une bonne. Mais voilà, il est difficile de s'en sortir en lisant cette histoire au premier degré. Si on justifie la conduite d'Abraham, comme le font certains commentateurs, peu ou prou, on en revient à justifier des conduites inacceptables, comme si le chouchou de Dieu, celui qui pense être dans la juste foi, pouvait faire n'importe quoi, la foi justifiant les moyens. Eh bien non, je ne crois pas. Si l'on dit que cet épisode est d'une simple erreur passagère d'Abraham, comment alors comprendre que cet épisode ait tant d'importance dans la réalisation de la promesse de la bénédiction de Dieu dans ce texte essentiel ? Alors pour s'en sortir, il y a une règle d'interprétation de l'Écriture qui est bien connue depuis des millénaires. Si un passage biblique n'a pas de sens ou est choquant au sens littéral, il est alors indiqué d'essayer de le lire au sens figuré. Par exemple, quand on dit que Jésus est la lumière du monde, bien sûr, on peut ricaner en disant que même les chrétiens ont besoin d'électricité pour voir clair et c'est bien dommage qu'un lustre soit en panne. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire, quand on dit Jésus la lumière du monde, que c'est une idiotie, parce que ce n'est pas vrai au sens littéral. Cela veut dire que c'est vrai au sens spirituel. C'est ainsi que l'apôtre Pierre et bien d'autres, avant lui et après lui, interprètent l'histoire choquante de Dieu au déluge qui massacre presque tous les vivants sur terre. Pierre dit en substance que chacun d'entre nous est dans ce texte l'humanité et la création tout entière, qu'il y a du juste et du pécheur en chacun, qu'il y a du Noé et de l'humanité violente en chacun, qu'il y a en chacun de l'animal et de la colombe, et que Dieu nous purifie de ce qui est souffrant et source de souffrance en nous, libérant le juste dans toutes ses dimensions pour qu'il puisse avancer et vivre. Eh bien, il en est de même avec cette double histoire d'Abraham, de sa sœur épouse et du roi puissant. L'histoire est si importante que la Genèse la place comme un portique pour la bénédiction de Dieu en nous et pour le monde à travers nous. Dans cette histoire, chacun de nous est à la fois Abraham et Sarah et le roi puissant. Abraham évoque l'homme de foi qui est en nous, en chacun de nous, comme le remarque Pierre en disant qu'il y a un petit Noé en chacun de nous. L'Égypte est bien connue dans la Bible comme évoquant la richesse et la force de l'industrie humaine. Le roi puissant, que ce soit Pharaon ou Abimélec, évoque donc notre force, notre capacité à agir dans ce monde matériel, mais aussi nos désirs qui existent, bien entendu. Sarai ou Sarah, par le sens de ce nom propre, princesse ou ma princesse, évoque la noblesse de chaque personne humaine. Elle est princesse, elle incarne notre dignité, une dignité telle qu'elle peut infiniment dépasser même les simples limites de notre survie en ce monde, comme Sarah sera mère en conclusion de ce deuxième texte scabreux, mère d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Que nous dit alors l'histoire d'Abraham, de sa sœur épouse Sarah et du puissant roi ? D'abord, il y a le roi qui gouverne ce monde. Une famine survient et Abraham se tourne vers l'Égypte. Cela pourrait passer pour du manque de confiance en Dieu qui lui a dit « Tu seras bien dans le pays que je te donne », mais en réalité, la démarche d'Abraham est normale et saine. Nous ne sommes pas de purs esprits et heureusement. Abraham a donc raison de se détourner un temps du spirituel pour gérer aussi ce qui est de l'ordre du matériel.
Cela fait d'ailleurs partie de sa vocation, nous l'avons entendu, d'être une ample bénédiction universelle, tous azimuts, pour les dimensions, toutes les dimensions de l'homme. Donc oui, la Bible nous appelle à nous investir dans le monde, mais ce texte interroge le rapport que nous avons avec ce monde. Est-ce que nous sommes comme Abraham, pleins de mépris et de peur vis-à-vis des autres et du monde ? Est-ce que le monde autour de nous n'est que, comme le pense Abraham au début, qu'un réservoir de nourriture, parfois, malheureusement, nécessaire à notre survie, mais par ailleurs entièrement gouverné par des désirs sauvages et prêts à tout, entièrement coupés de Dieu ? Dans un sens, Abraham n'a pas tout à fait tort. Mais Abraham apprendra que ce monde n'est pas que ça, que ce monde est aussi un monde que Dieu aime, et qu'il y a de bonnes choses dans ce monde. Et entre le premier et le deuxième texte, il y a quelques petites différences dont chacune est un indice pour nous inviter à une autre présence dans ce monde. Dans le premier texte, Abraham descend dans le midi, ce qui est péjoratif, alors que dans le deuxième, il s'y rend pour planter sa tente, ce qui est plus normal finalement. Dans le premier texte, Abraham est source de malédiction pour ce monde et il repart, il sort en ne réparant rien du tout. La deuxième fois, Abraham devient source de bénédiction et de vie pour ce monde, en priant Dieu. Dans le premier texte, Abraham est finalement chassé comme un intrus par le Pharaon. Dans le deuxième texte, il y est accueilli comme un frère qui a sa place dans le royaume. Cette évolution nous dit que le monde n'est pas seulement une menace. Il est aussi un frère pour nous, un frère qui nous accueille et dont nous sommes responsables. Un frère qui est capable aussi d'une clairvoyance, d'une parole de Dieu pour nous. En réalité, nous sommes l'Abraham, l'homme de foi, nous sommes aussi ce monde. Il est une dimension de nous-mêmes. Notre monde et notre foi ont un même Père, Dieu. Et le Christ montre que Dieu aime ce monde et qu'il ne l'a pas trouvé dégoûtant puisqu'il est venu parmi nous, en nous, pour y demeurer, pour y planter sa tente. Nous sommes ce roi capable du meilleur et du pire, capable d'accueillir ou de chasser notre Abraham et notre Sarah en dehors de notre royaume ou dans notre royaume. Alors mieux vaut être plutôt Abimélec au cœur pur et aux mains qui font le bien. Abimélec, littéralement, celui qui reconnaît que Abi, mon père, notre père, est Mélec, le roi, c'est-à-dire que Dieu est le vrai roi. Mieux vaut ne pas être trop le pharaon, le roi qui se prend pour un dieu et chasse la foi hors de son royaume. Le deuxième personnage, Abraham. Abraham qui représente cette foi qui est la nôtre. Dans ce monde, Abraham se conçoit comme celui qui est le plus important. La priorité est pour Abraham sa vie. L'essentiel, nous dit-il, c'est qu'il me fasse du bien. Qui est ce « il » ? Il, c'est l'autre, il, c'est le monde, il, c'est Dieu. Quand cette histoire est lue à la lettre, c'est d'un égoïsme monstrueux, cette attitude d'Abraham. Tout pour moi et pour ma vie. Même et surtout pour un serviteur de Dieu, bien entendu, mais le Christ, lui, n'est pas comme ça, nous disons. Oui, la preuve, il en est mort, donc c'est pas tout pour moi et tant pis pour les autres. Mais au sens allégorique, nous avons là une grande sagesse, celle d'Abraham. Utile au sens spirituel et utile aussi même dans les services d'entraide, dans l'action, dans la justice en ce monde. Ce n'est pas qu'Abraham se prenne pour Dieu comme un pharaon. Il ne s'agit pas, nous, comme croyants, de nous croire supérieurs aux autres, mais de reconnaître qu'en chaque personne, la foi, c'est-à-dire la dimension spirituelle de chaque être, est faite pour être placée au-dessus du reste, au-dessus des autres bonnes dimensions de notre être. L'homme n'est pas une plante verte. L'homme partage avec la plante verte le fait d'être vivant, mais ce qui doit gouverner en lui, ce n'est pas cette dimension-là de la vie physique dans son être. Ça doit être le spirituel, ça doit être l'amour, ça doit être l'espérance, ça doit être le grain d'idéal qu'il a, qu'il porte, ça doit être la personnalité profonde de la personne. Alors c'est évident sur le plan théorique, bien sûr, mais il reste toujours, comme Abraham, à l'apprendre dans la vie de tous les jours.
et dans l'entraide, dans la médecine, dans les solidarités internationales, dans la gestion des quartiers difficiles, dans n'importe quelle association, n'importe quelle famille. Tous les milliards d'euros du monde ne servent à rien s'ils n'intègrent complètement cette dimension spirituelle de l'humain, si l'on n'accorde pas une importance même première à cette dimension spirituelle, à cette dimension qui est de l'ordre du spirituel. C'est ce que nous apprend Abraham ici, et il a bien raison, cette part de spirituel, c'est une vocation qui est donnée par Dieu individuellement à chaque personne. Un sens qui nous est donné en propre à chacun, à chacune, à chaque peuple, et qui est fait pour nous mettre en mouvement, comme Abraham, en mouvement vers un quelque part qui est pour nous et qui nous reste à explorer. Donc oui, l'Abraham qui est en chacun est la priorité des priorités. Il est bon que les richesses du roi nourrissent et enrichissent Abraham. Mais attention, au début, Abraham s'appelle seulement en fait Abram, c'est-à-dire père élevé. Et ensuite, dans la deuxième version de l'histoire, à l'autre bout du tuyau de ces chapitres, il est devenu entre-temps Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Alors oui, nous avons une grandeur formidable par notre vocation, par notre vie spirituelle, ce côté unique de notre être, mais cela ne doit pas faire de nous un chouchou à qui tout est dû, tout est permis, tout est bon. Notre grandeur nous donne de pouvoir être utile. Nous n'avons pas seulement à engraisser notre sagesse, affiner notre théologie, purifier notre prière pour notre propre élévation merveilleuse ou pour notre petit salut éternel. Au début, c'est Abraham qui était malheureusement ainsi prédateur dans ce monde, dans ce monde où il craignait de trouver des rois qui sont prédateurs. Mais c'est lui qui l'était en fait. C'est quand Abraham comprend enfin qu'il se met à prier d'une façon tout à fait désintéressée pour ce monde, pour la fécondité de ce monde qui l'accueille, ce monde qui le nourrit, ce monde où il doit être bénédiction, et qu'il prie pour les gens qui sont dans ce monde. Le monde n'est alors plus pour lui un objet de mépris ou de crainte, il n'est plus pour lui un simple grenier, mais il est un monde pour lequel nous pouvons être bénédiction. Et même un monde qui peut nous apprendre une part importante de la volonté de Dieu, comme Abraham ici est évangélisé, d'abord par le Pharaon, puis par Abimélec. Alors voici enfin notre Sarah. Nous sommes Abraham, le bien-aimé de Dieu, nous sommes un puissant roi agissant dans ce monde, nous sommes aussi Sarah. Elle est notre dignité. Dignité merveilleuse, noblesse de haute naissance, comme celle d'une princesse, nous avons Dieu pour père. Et pourtant Abraham, acculé, terrorisé par ce qu'il craint, il croit qu'il est juste de mettre Sarah au service de sa propre vie à lui, de sa propre abondance. C'est hyper choquant au sens littéral. Cela reste une mauvaise idée au sens allégorique, nous allons le voir, mais la pensée d'Abraham est alors compréhensible. Alors Abraham et Sarah sont donc deux dimensions de notre propre personne. La vraie foi en nous est un appel à être prêt à tout donner, jusqu'à notre vie, au service de Dieu, au service de l'amour, au service de la justice et de la paix, oui. Il faudrait donc tout sacrifier au service de cela si la foi nous y appelle ? Non, nous dit cette histoire. Il y a une limite. Notre dignité ne doit pas être sacrifiée, ni même salie, par personne, ni la dignité de personne. On peut arriver à donner sa vie si ça vaut la peine, quand ça vaut la peine, mais on n'a pas le droit d'aller jusqu'à donner, ni même salir notre dignité, ni celle de personne, ni celle d'aucun peuple. Combien de bons et de vrais parents vont jusqu'à parfois se vider d'eux-mêmes pour leurs enfants, y perdre leur personnalité, ne se réalisant plus que par la croissance de leur enfant. C'est trop. C'est même mauvais pour leurs enfants eux-mêmes. Des personnes de foi peuvent tout donner dans le service de l'autre, dans leur église, sacrifier leur intelligence, leur argent, leur vie. C'est pour Dieu, certes, mais ce n'est pas bon et c'est trop.
La foi elle-même peut donner parfois envie de ce sacrifice ultime de soi, de ce sentiment de n'être même plus important, de n'être plus grand-chose, d'être rien face à ce Dieu, face à ce tout. Eh bien, c'est faux. Pour Dieu, nous sommes sa petite princesse. Abraham se trompe donc, et c'est à chaque fois le roi qui apprend à Abraham à ne pas offrir sa Sarah. Normalement, c'est la foi qui est la bonne conseillère dans notre vie. Mais là-dessus, le bon sens doit l'emporter au-dessus de la foi. C'est alors le bon sens de ce monde, c'est le roi qui nous l'apprend. Même ce que représente le pharaon est plus sage qu'Abraham sur ce point-là. Le simple principe d'efficacité du service de l'autre en ce monde nous apprend à ne pas aller jusqu'à laisser notre dignité être salie, ne pas laisser le monde s'emparer de notre dignité. Même le monde a besoin que nous soyons nous-mêmes, absolument. Donc oui, notre dignité est notre sœur, notre foi vient de Dieu, notre monde vient de Dieu et notre dignité vient de Dieu. Nous avons tous le même Père, mais celle que nous devons épouser d'amour, c'est notre dignité. Nous agissons dans le monde, nous prions pour le monde, il est le lieu de notre vocation, il nous nourrit, il nous porte. Mais sur la dignité, c'est la nôtre et rien ni personne ne doit passer dessus. Ne pas offrir bien sûr notre Sarah, ne pas laisser le monde l'épouser, elle ne va qu'avec la foi en couple. La richesse que le monde offre est belle et bonne. L'industrie que les humains peuvent avoir sont des bonnes choses et la foi ne doit cracher ni sur la richesse, ni sur l'artisanat, ni sur l'industrie, ni sur l'art, ni sur l'intelligence, mais au contraire, prier pour que tout cela soit fécond. Mais tout cela, rien de tout cela n'ajoute à notre dignité, ni l'industrie, ni l'art, ni la sagesse. Rien n'ajoute à la dignité de la personne humaine. Celle vient de Dieu et cela ne vaut pas que l'on vende la moindre part de dignité humaine pour le matériel, pour l'art, pour le spirituel, pour la théologie. Non. Abraham doit épouser Sarah, mais il doit aussi apprendre que Sarah n'est pas sa chose, qu'elle n'est pas une chose dont il peut disposer, qu'elle n'est pas sa princesse à lui, comme se traduit littéralement Sarai, mais qu'elle est Sarah, princesse tout court. Notre Abraham doit ainsi apprendre que nous ne possédons pas notre propre valeur, nous ne possédons pas notre propre dignité. Nous valons quelque chose, notre vie est précieuse, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, Dieu est notre Père. Mais quand ces trois personnages sont dans de bonnes et saines relations, quand Abraham et le roi puissant vivent en paix comme des frères, notre roi étant source de moyens d'action en ce monde, notre Abraham étant source de foi, de prière, de bénédiction, d'élan de vie. Alors oui, ça va. Quand notre Abraham et notre Sarah sont unis l'un pour l'autre, ils sont alors une ouverture vers la vie, sur la vie, une source de mise en mouvement et de guérison communicative. Amen.